Bonjour Régis, donc le score du match 26-16 contre Bédarit, première victoire à domicile sur le premier match de la saison. Quel est le retour sur le match ? On savait qu'il allait y avoir beaucoup d'agressivité avec ce poule du Sud, que ça allait être compliqué, qu'on allait que si on n'était pas tout de suite d'attaque dans le match, on allait se faire accrocher. Je pense qu'on fait une bonne première mi-temps, on relâche un peu les 20 premières minutes de la deuxième avec beaucoup de fautes. On touche moins de ballons, moins de jeux. Donc ça a été plus compliqué en deuxième, mais bon, il y a la victoire au bout. Donc. Est-ce que c'est une déception de ne pas avoir pris le bonus offensif aujourd'hui ? Après, ça aurait été bien, hein, mais bon, après, ce qu'il faut faire, c'est gagner des matchs. Donc après, le bonus, on verra plus tard. Et là, pour l'instant, la victoire était principale pour moi. Dans quel état d'esprit pour la suite, pour le déplacement à Grasse ? Le déplacement à Grasse, ben, on va essayer d'aller faire quelque chose, d'aller accrocher, d'être combattant, combatif, et de faire quelque chose, quoi. Au moins, au minimum, ramener un point de bonus défensif. Ce soir, un peu la bringue ou pas ? Bah, légèrement. Bonjour Christophe. Salut Dylan. Victoire sur le premier match 26-16. Vous attendiez un combat aussi âpre ? Ouais, on savait à quoi s'attendre en les ayant déjà joué les années précédentes. On savait que ça allait être rude. Donc, leur jeu est basé sur l'agressivité, sur l'homme, ses fondamentaux de combat, hein, voire un petit peu plus. Donc voilà, à partir de là, je pense qu'on a été solidaire plus. On a vraiment senti une bonne équipe, donc une équipe solidaire. Donc voilà, ce qui fait que ça a passé. S'il y avait un point positif à retenir du match ? La défense et je pense la solidarité. On a vraiment senti, enfin moi quand je suis rentré, en deuxième mi-temps, j'ai vraiment senti les mecs soudés qui étaient derrière nous. Déception pour le point de bonus offensif loupé ou pas ? Bah, je pense qu'en étant un peu plus ambitieux, en faisant un petit peu moins de fautes, je pense que sans prétention, ça aurait pu être l'objectif. Quoi. Donc on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de la maîtrise sur quelques années, quelques lancers. On aurait pu prétendre au point de bonus. Ouais. Bonjour Benjamin, premier match du championnat, victoire 26-16, les enseignements de ce match ? Bah, on voulait à tout prix gagner, donc c'est chose faite, un objectif est atteint. Après on a mis beaucoup de volume en première mi-temps, et après malheureusement en deuxième mi-temps on a eu trop peu de ballons pour pouvoir les remettre sous pression, c'est plutôt eux qui nous ont mis sous pression, avec un arbitrage qui a favorisé l'équipe qui attaquait, donc en deuxième mi-temps sans ballon on s'est retrouvé un peu plus pénalisé, et voilà on a joué heureusement encore, on a remis un peu la main sous le ballon sur la fin du match, ce qui nous permet de les laisser à 10 points au score, mais c'est vrai qu'au vu de la première mi-temps on aurait espéré mieux, mais Bédarit s'est accroché, et voilà dans la poule à mon avis il y aura beaucoup d'équipes pour ça qui vont s'accrocher, c'est à nous de faire le coup correctement et toujours rester constant sur 80 minutes. Petite déception quand même pour le point de bonus ou quoi ? Non, c'est sûr que si on l'aurait pris, on serait été content, on va pas dire le contraire, mais voilà, sur la deuxième période, on le mérite pas, voilà, c'est pas plus compliqué. Hein. Sous la première mi-temps, on a fait le boulot, on a envoyé du jeu, ça a marché, et voilà, on n'a pas su insister, voilà, pour trop peu de ballons en deuxième mi-temps, plus à un moment on a joué à 12, je crois, il y a eu 3 cartons, donc voilà, ça a été un peu compliqué. L'entraîneur très pointillé que tu es, satisfait ou pas ? Oui, moi je suis satisfait, quand on gagne c'est toujours bon, donc voilà, je crois qu'on n'a pas trop de casse en plus, donc ça c'est l'autre point positif de la journée, et voilà, on va se préparer pour aller la semaine prochaine à Grasse, on va partir un petit week-end dans le sud, donc voilà, c'est très bien qu'on fasse un bon match là-bas et qu'on essaye de ramener quelque chose, pourquoi pas, de là-bas. Les joueurs ont le droit de boire une bière ce soir ? Bien sûr, comme d'habitude. Merci Benjamin.